C'est pas possible, à chaque fois que je viens, il se met à faire du vent. Il est même pas 9h du matin, je vous retrouve en pyjama. Il fait pas très chaud, mais j'ai pas trop froid non plus, ça va. Je me suis mise dehors parce que la lumière est tellement nulle dehors que vous n'auriez rien vu à ce que je voulais vous montrer. Et je voulais vous montrer que je me suis préparé un magnifique masque aux poudres. Regardez-moi cette texture, regardez-moi cette texture. Voilà, c'est parti pour un petit masque aux poudres. Mes cheveux en ont bien besoin parce que... Voilà, juste quand je sors, il y a plein de vent. Je vais devoir crier encore, vous allez me dire que vous entendez rien et ça me saoule. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis ce qui est tombé par terre. Donc, dans ce masque aux poudres que je vais laisser poser, je pense, 1h30, 2h, j'ai mis moitié shampoing végétal de chez Aromazone parce que je l'aime bien et qu'il lave bien les cheveux, et moitié coloration végétal Caddy blond clair. Voilà, vous savez que j'aime beaucoup les colo Caddy. J'avais pas envie de faire qu'une colo Caddy et d'user toute la boîte, donc j'ai mis que la moitié de la boîte, plus du shampoing végétal. J'ai mis dedans de l'eau chaude, évidemment, de l'après-shampoing, du masque Propolia, parce qu'il est bien riche et ça évite le dessèchement des cheveux. Et j'ai même rajouté un peu de cet après-shampoing qu'il faut que je finisse, qui est très vieux, qui est de l'après-shampoing brillance à l'huile d'argan de chez Logona. Voilà, je sais même pas s'il existe toujours. Donc, je vais me rentrer parce que ça caille. Je vais aller appliquer ce magnifique masque qui va poser, je pense, 1h30, 2h. Et après, je vais faire toutes mes bricoles. Voilà, je vous laisse parce que au cas où il y ait beaucoup de vent et que vous n'entendiez rien, c'est pas le moment. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 1er décembre, déjà au mois de décembre, le mois de novembre. Je ne l'ai pas vu passer du tout, soyons honnêtes. J'ai l'impression que ça a duré une semaine. Oula, je suis complètement décoiffée, attendez.
J'ai sorti mon pull de Noël pour l'occasion quand même, 1er décembre, pull de Noël. Je vous retrouve, vous remarquerez que j'ai changé mon fond, j'ai ressorti mon fond festif de que j'ai acheté l'année dernière. Je ne l'ai pas défroissé parce que flemme et parce que je ne compte pas m'en servir pour tourner des vidéos. Cette année, j'ai pas envie. Donc ma foi, il est froissé, mais il y a que vous là. Ouais, là, il est froissé. Il y a que vous qui en profitez dans le vlog. Et puis voilà, en plus... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? En plus, il fait tout sombre parce que c'est l'hiver, c'est la fin de journée. Et j'ai pas allumé de lumière artificielle parce que j'avais pas envie, je suis KO et j'avais pas envie de m'aveugler avec ça. La journée a été dure parce que mes règles sont arrivées de manière un peu inopinée. Alors, j'ai mal dans le bas du dos, mais pas par rapport aux règles, par rapport à des vertèbres coincées. Depuis un bon moment, j'ai rendez-vous chez l'ostéo dans quelques temps, mais pas tout de suite encore. Donc ça, c'est douloureux et c'est usant à force d'avoir tout le temps mal au lombaire, etc. Même si j'ai regardé des vidéos de majeurs mouvements pour soulager un peu, ça m'a fait du bien, mais ça n'a pas résolu l'entièreté du problème. Et mes règles sont arrivées cette nuit et je ne l'avais pas du tout anticipé. J'avais pas vu que j'étais en SPM ou quoi. Elles sont arrivées avec 2 jours d'avance. Alors d'habitude, 2 jours d'avance, clairement, je le sens venir. Hein. J'ai des boutons sur le menton, j'ai mal dans la poitrine. Parfois, j'ai des maux de tête, j'ai une fatigue très intense. Je peux avoir de l'anxiété plus forte et tout. Là, franchement, hier, ça allait bien. Et cette nuit, je me suis réveillée à 4h du matin. Je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Ah bah ouais, j'avais inondé mes draps et tout, laissé tomber. Donc je me suis levée, j'ai dû nettoyer, machin, nan, nan. Enfin, comment vous dire qu'après se rendormir, c'était compliqué. Et là, depuis ce matin, bah non seulement j'ai un peu mal au ventre, comme tous les premiers jours de règles. Alors je me plains pas, c'est rien d'astronomique comparé aux gens qui souffrent vraiment d'endométriose ou quoi. Mais j'ai mal au ventre et j'ai mal au dos, et c'est dans la même zone. Du coup, j'ai l'impression d'avoir un cercle qui me serre là, tout le tour, c'est franchement désagréable. Puis alors la nouveauté qui me vient parfois dans les règles, bon là j'ai un petit peu mal à la tête, mais ce matin ça allait, c'est que parfois quand j'ai mes règles, je me lève le matin, j'ai la nausée, j'ai mal au cœur, c'est très désagréable, et ce matin c'était carrément le cas, j'avais un peu de vertige, j'ai la nausée et tout, enfin c'était horrible. Bref, vivement ce soir qu'on se couche, n'est-ce pas? Je venais du coup faire un petit coucou en ce 1er décembre et vous montrer mes calendriers de l'Avent. Donc ici, pas de calendrier de l'Avent cosmétique, parce que déjà, je n'en ai reçu aucun, parce que je ne suis plus du tout active niveau niveau beauté green sur Insta, vous l'aurez remarqué, donc forcément, bah quand on n'a pas de constance, on n'a pas de constance, quoi. Voilà. Puis j'ai pas d'évolution d'abonnés, tout ça, donc je n'intéresse pas les marques. Mais c'est pas grave, parce que j'avais pas envie d'avoir un calendrier de l'Avent beauté. Je trouve que c'est toujours beaucoup de miniatures et beaucoup de produits d'un coup que l'on n'utilise pas. J'ai déjà quand même un stock conséquent de produits chez moi, donc non. Par contre, je me suis acheté 3 calendriers que je vais vous montrer. Donc 2 très peu onéreux et 1 cher, onéreux. Donc je me suis acheté le calendrier de l'Avent Clipper, qui est ce petit calendrier de l'Avent. Alors je vous ferai pas un déballage tous les jours de mes calendriers de l'Avent parce que ça n'a absolument aucun intérêt. Mais je vais vous montrer là, j'ai déballé le premier avec vous. Et après, je pense que je montrerai tout dans mes journaux créatifs parce que le gros calendrier, c'est un calendrier créatif. Donc ça n'a pas d'intérêt à ce que je vous le montre ici. Et puis ça serait vraiment très chiant, franchement, les gens qui font ça, qui font un vlog tous les jours pour montrer leur sachet de thé et leur miniature cosmétique, moi ça ne m'intéresse pas du tout. Donc voilà, le calendrier Clipper, il est joli. Il s'ouvre comme ça, je sais pas encore comment je vais l'installer. Alors attendez, comment ils sont? Ah oui, comme ça, voilà, on a un petit décor comme ça. Et donc, appuyer et soulever pour ouvrir. Enjoy! Donc, j'appuie. Ah oui, c'est là. Appuyer et soulever. Ah, il faut enlever le machin. Et on a les sachets qui sont là. Donc, on va regarder ensemble le sachet du jour. Ah, ils sont au coloris de Noël. Ça, c'est cool, j'aime bien. C'est pas des sachets de thé tout normaux, c'est des sachets de thé... comme ça, donc 1. Donc on ne sait pas ce que c'est, mais c'est écrit sur le sur la boîte. C'est Happy Monday, citron, gingembre et poivre noir. Voilà. Donc avec à l'intérieur citronnelle, gingembre, racine de réglisse, hibiscus, verveine citronnée, arôme naturel de citron, écorce d'orange, poivre noir, écorce de citron, clou de girofle, arôme naturel de gingembre. C'est une infusion, donc je peux la boire maintenant, donc je vais me la faire tout à l'heure là. Surtout que gingembre, c'est très bien quand on a la nausée. J'ai plus trop la nausée, mais je sens que c'est limite, donc voilà, le petit calendrier Clipper. Et le deuxième calendrier que je me suis acheté, c'est
le calendrier Pukka. Voilà, alors l'année dernière, j'avais pris le Yogiti. Il est absolument sublime, le Yogiti. Je l'avais pris chez Kazidomi. Mais cette année, quand j'ai passé ma commande chez Kazidomi, il n'y avait pas encore les calendriers de l'Avent. Et une fois que les calendriers de l'Avent ont été sortis, je n'avais plus rien à commander. Donc, j'ai pas commandé juste pour le calendrier de l'Avent. Donc, j'ai pris celui-ci en même temps que le Clipper sur une vente privée de thé. Voilà, puisque Pukka et Clipper, ce sont deux marques que j'aime bien. Et là, c'est un calendrier qui se sort de la boîte comme ça et qui se déplie. Donc, je pense que je vais l'accrocher derrière moi. Alors là, c'est beaucoup moins beau, je trouve, et beaucoup moins de surprise que ou le Clipper ou le Yogiti, puisqu'on est sur un format comme ça. On voit tout, en fait. On est spoilé de tout. Donc, attendez, on va chercher le numéro 1. Qu'est-ce que c'est? Le 3, le 2, le 21, le 7, le 15, le 1. 3 gingembre, décidément. Aujourd'hui, ils ont... En plus, il est un peu chiffonné, mais bref. 3 gingembre. Décidément, aujourd'hui, ils ont pensé à moi. ma nausée, mes règles, tout ça, sous le signe du gingembre. Bref, je pense que je vais l'accrocher derrière moi. Attendez. Est-ce que je peux faire ça maintenant? Parce que je mesure 3 cm de haut, donc il faut toujours que j'ai un... des trucs, mais j'ai un marque-papier à dispo. Voilà. Tac. Hop là. Et bien voilà. Tadam! Comme je ne sais pas où le mettre, parce que j'ai nulle part où l'accrocher chez moi, et bien sur mon support. Sur mon support, c'est très bien. Voilà, et ben il va être là pour tout le mois. C'est très bien. Et à la fin du mois, je pense que comme je ne serai pas chez moi les 7 derniers jours, même plus les 10 derniers jours de décembre, peut-être un peu moins, les 8 derniers jours de décembre, j'emmènerai que les sachets. Que les sachets. Voilà. Et le gros calendrier, celui que je me suis offert et qui coûte un bras, qui est merveilleux. Et qui va vraiment me réconforter en cette fin d'année qui a été vraiment assez difficile pour moi. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que cela ne vous regarde pas. Mais cette année a été compliquée. Et elle n'est pas finie. Et 2023, oh là là, ça annonce... Attendez, ça tombe. Ça annonce peut-être un peu moins compliqué ou pas du tout. On ne sait pas, je ne sais pas, on verra bien. C'est donc le calendrier de l'Avent. Je vous montre ça, mais en fait, je ne vous ai pas montré le... La boîte, c'était ça que je voulais faire. Le calendrier de l'Avent de chez Laine de Mout. Alors, je crois qu'elle en a fait qu'une cinquantaine d'exemplaires et qu'il s'est parti très vite. Ah, moi, j'avais vu qu'elle allait faire une mise à jour. J'avais vu le principe de son calendrier de l'Avent. J'avais mis un rappel dans mon téléphone le 5 minutes après qu'elle ait fait la mise à jour. Je l'ai acheté parce que je savais que ça allait partir très vite. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens déçus, mais je ne regrette pas. Pour ceux qui ne connaissent pas les calendriers de l'Avent, les nœuds, généralement, alors c'est soit des accessoires en rapport avec le tricot et le crochet, soit des mini échevaux de laine. Alors soit il y en a 12, soit il y en a 24, ça dépend des calendriers. Il y a des teinturières qui font les deux pour répondre aux différents budgets. Parce qu'il faut savoir qu'un calendrier de laine, c'est entre 80 et 250 euros en fonction de combien il y a de paquets, du teinturier, de tout ça. Moi, j'ai pris un calendrier... 24 cases, puisque Laine de Mout ne proposait que ça, mais c'était de toute façon ce que je voulais, qui m'a coûté dans les 180 euros, je crois, ou 170, je sais plus. Et en fait, j'aimais beaucoup le principe, c'est que moi, je voulais pas un calendrier de l'Avent avec 24 mini échevaux, parce que je n'en ai pas d'utilité, je sais que ça allait traîner chez moi, que je n'ai rien à en faire et que c'était débile. Là, elle propose un calendrier avec 10 échevaux de 50 grammes et 10 contrastants. C'est ça. Non, 11 échevaux de 50 grammes et 11 contrastants de 20 grammes pour faire des kits à chaussettes. Ça, c'est génial. Et un écheveau complet et une surprise. Donc, je suis ravie. Et regardez comme c'est beau. Donc, ça, c'est le mood board. Le mood board du calendrier de l'Avent. Donc, c'est en Noël en toute saison. Donc, elle dit qu'on pourra tricoter des chaussettes toute l'année. Donc, vu qu'il y en a... Ça fera 12 kits de chaussettes. Je suppose qu'il y aura... 3 paires à tricoter chaque saison. Enfin, du coup, 11 du coup. 11. Oh, je sais plus ce que je dis. Ah oui, 11 et le 12e, c'est un gros. Donc, bref, je suis fatiguée. Donc, je vous montre, parce que je n'ai rien ouvert encore, parce que je voulais vous montrer avant d'ouvrir mon petit cadeau du jour. Attendez, je vais essayer de rien faire tomber parce que ça va être compliqué. Mais. Oh! Voilà! Oh là là! Oh! J'ai tellement hâte d'ouvrir mon premier petit colis. Et en même temps, je trouve que laisser comme ça, vous voyez, c'est...
Comme si on figeait le moment, quoi. Noël n'arrive pas et on attend et c'est ça le meilleur. Et qu'une fois que c'est ouvert et c'est comme le. Je sais pas, vous, votre état d'esprit. Oula, désolé, je vous ai cogné. Votre état d'esprit du 25 décembre. Moi, je. Bon, déjà, il faut savoir que j'adore Noël, vous le savez, mais j'adore l'idée que je me fais de Noël, à savoir. Idée version téléfilm de Noël, maison supra-décorée, lumière partout, neige et compagnie. Mais que dans la réalité, Noël à la maison, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un moment extrêmement anxiogène, pas nécessairement joyeux. Ça va mieux depuis quelques années, mais quand j'étais petite, clairement, c'était beaucoup de stress, d'énervement, des engueulades, beaucoup de pression. Enfin voilà, c'était festif, mais sous tension, quoi. Donc c'était pas nécessairement un moment que j'aimais. D'ailleurs, je me rappelle. Quand j'étais ado, je sais pas quel âge j'avais, 14 ans peut-être, ou 15 ans, ou 16 ans peut-être, je sais plus, d'avoir écrit dans mon journal intime le soir du 24 décembre que je voulais plus vivre ça et que l'année d'après, j'aimerais partir faire du bénévolat dans une association le soir du 24 décembre. Voilà, mais je l'ai jamais fait. Mais bon, bref, c'est pour vous montrer que c'est, j'aime Noël, mais la réalité n'est pas nécessairement. Aussi joyeuse que ça. Bref, tout ça pour vous dire que moi j'aime du coup Noël, j'aime le 24 décembre quand il y a toute la féerie. Alors il n'y a pas de féerie chez moi, mais dans ma tête il y a la féerie. Et le 25 au matin, installer les cadeaux et tout. Et une fois qu'ils sont ouverts, bah c'est comme un soufflet quoi. Il était beau, puis tout retombe, et puis bah c'est fini. Et moi du coup, enfin chez nous on fait durer le maintenant, parce que quand j'étais petite on ouvrait tout le 25 au matin, mais maintenant on fait durer le plaisir. En famille, du coup, on déjeune, les cadeaux sont au pied du sapin et on prend le temps d'ouvrir les cadeaux après le déjeuner, devant la cheminée. Et en fait, on fait durer le truc, on n'ouvre pas les cadeaux. Alors, il n'y a pas 72 000 cadeaux parce qu'on n'est que 4, hein, mes parents et mon grand-père, mais on a chacun, je sais pas, je dirais 4-5 cadeaux. Et du coup, bah, on prend le temps, il y en a un qui en ouvre un, les autres regardent, ah, c'est quoi, montre-nous, puis voilà, et puis on peut prendre une heure comme ça à ouvrir les cadeaux. Et c'est cool. C'est cool parce que ça fait durer un peu, parce qu'une fois que tout est ouvert, bah moi du coup je ressens comme un vide en fait. Ça y est, c'est fini. Noël, c'est fini. Moi le 31, le réveillon, c'est vraiment pas un truc qui me. Ça me fait rien. Je fais pas la fête, ça ne m'intéresse pas de me coucher tard. Parce que je sais qu'après je mets 40 ans à récupérer et c'est clairement un mal pour un mal. Alors que Noël, voilà, c'est Noël. Et puis moi j'ai pris plaisir à préparer des petits cadeaux, à confectionner fait main et tout, Donc c'est cool, c'est d'ailleurs cette année, mes parents vont le cadeau que mes parents vont m'offrir à la base, c'est un calendrier de l'Avent laineux de 12 cases que j'ai choisi de recevoir à Noël. Et je ne vais pas ouvrir les 12 cases le jour de Noël. Je vais ouvrir une case le jour de Noël et après une case par jour après Noël en fait. Et ça fera durer. Normalement, c'est un calendrier qu'on ouvrait un jour sur deux du 1er décembre au 25. Moi, je vais ouvrir une case par jour du 25 décembre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cadeaux. Et je trouve ça cool du coup parce que ça fait durer le plaisir parce que j'aurais pas que ça comme cadeau et puis je me suis fait aussi des cadeaux que je vais mettre au pied du sapin. Voilà. Donc moi ça me moi je suis pas impatiente. Moi limite le calendrier de laine de mout si je voulais j'aurais pu le laisser au pied du sapin mais non, j'avais envie d'ouvrir quand même. Voilà, allez sur ce assez baratiné pour parler de Noël, mais je vous avais envie de vous partager un peu ma vision de Noël et des choses comme ça. Eh bien moi qu'est-ce que je vais faire? Du coup, je vous ai dit laine de mout, je ne l'ouvre pas avec vous, je vais l'ouvrir dans mon journal créatif. Donc je vais aller filmer le journal créatif pour ouvrir mon calendrier d'Avent laine de mout. Et voilà, je vous dis bah à la prochaine dans ce vlog, je sais pas trop quand. Vous verrez pas chez moi de sorties merveilleuses, d'illuminations de Noël génialissimes, de déco, de sapins, de trucs. Ma déco de Noël, je vous l'ai déjà montré, elle est minimale parce que j'ai pas de place et encore moins de place pour stocker. Je n'ai pas de cave, je n'ai pas de garage ni rien, donc faut stocker dans l'appart. J'ai beaucoup de laine, donc je préfère stocker de la laine que des décos de Noël qui durent pas longtemps. Donc voilà, il y a deux petites cases et tout. Chez mes parents, c'est pareil. Alors c'est encore pire que chez moi parce que mes parents décorent Noël ça juste pour me faire plaisir. S'ils étaient tout seuls, ils ne feraient rien du tout. Alors comme je râle un petit peu, ils ont un mini sapin comme ça. Je crois que je vous l'ai déjà dit l'an dernier, un mini sapin qu'on a depuis 20 ans? Ouais, j'ai 35 ans, on doit l'avoir depuis 20 ans, même plus que 20 ans ce mini sapin. Et en fait, il est décoré et on ne le dédécore jamais, on le range comme ça dans un sac plastique, on le monte au grenier et on le ressort l'année d'après, il est déjà décoré. Alors quand j'étais petite, ma mère faisait un sapin assez grand, enfin assez grand, je sais pas, il faisait 1 m 50 le sapin, 1 m 60.
Et on mettait beaucoup de déco, on faisait un petit village de Noël au pied du sapin, tout ça. Mais le truc que j'entendais continuellement, c'était ma mère râler en disant « Ah, ça prend beaucoup de temps, ça prend la poussière, et puis personne ne met jamais, ni rien. » Alors que je le faisais avec elle. Et alors pour défaire, c'était encore pire. « Ouais, il n'y a que moi qui défais, ça vous amuse bien que ce soit mis, mais après, faut tout ranger. Et puis c'est toujours moi qui le fais, et puis le ménage, et puis là. » Bref, c'était super ambiance, quoi. Donc mes parents, dès que j'ai eu 18 ans, 17 ans peut-être même, on a complètement arrêté de sortir le sapin. Le grand sapin, et on a sorti que le petit sapin, qui est du coup décoré continuellement, et que l'on sort, on met sur une petite table, ma mère installe deux crèches, elle a pas mal de crèches, mais pareil, elle les sort plus, elle en sort genre deux, très facile à installer, et ça reste là, et au pied de la table, on met les cadeaux le 25. Voilà, mais ça c'est juste pour me faire plaisir. Je pense que si j'étais pas là, mes parents ne sortiraient même pas le sapin, ça ne les intéresse pas. Voilà, de même que chercher des cadeaux de Noël, ça ne les intéresse pas, ça ne les a jamais intéressés. J'ai souvent eu des cadeaux, alors j'ai souvent eu des très beaux cadeaux, mais j'ai aussi souvent eu des cadeaux qui tombaient un peu à côté de la plaque, parce que mes parents, ça ne les intéresse pas de chercher des cadeaux pour faire plaisir, qui plairont vraiment, machin, ce qui fait que je pense de mes 17... dans les 18, 19 à, je sais pas, 25, 28 ans, j'ai quasiment eu des pyjamas tous les Noëls parce que ma mère savait pas comment offrir et des pyjamas c'était facile. Après, quand je suis tombée, alors quand j'avais des demandes particulières, genre une année j'ai eu mon blender chauffant, c'était une demande, et là mes parents n'ont pas du tout dit non, et c'était un beau cadeau, c'était un cadeau à 200 euros, mais c'était moi qui donnais l'idée. Et mes parents m'ont offert mon blender chauffant, ça doit faire 4 ans, 5 ans, 6 ans peut-être, je sais plus quand ils me l'ont offert. Et mais s'il faut que ce soit moi qui donne les idées. Et là, maintenant que je suis à fond dans la laine et le tricot, bah c'est moi qui passe les commandes et c'est mes parents qui me remboursent. Voilà, ils me disent pour Noël, à peu près tant de budget. Et du coup, moi, je commande ce qui me plaît. Et moi, je sais que je vais recevoir ce qui me plaît. Voilà. Et moi, j'adore faire des cadeaux faits main. Donc. Mais ma famille n'aura que des cadeaux faits main cette année, sauf si je trouve des trucs d'ici là, mais il n'y a pas de raison. Sur ce, je vous laisse vraiment, j'ai mal à la tête en plus avec ces fichues règles là qui sont arrivées. Alors, parce que je vous ai pas dit, mes règles sont arrivées avec 2 jours d'avance. Ce qui fait que, avec la chance que j'ai là, bah les prochaines, elles seront le 24 ou le 25 décembre. Voilà, ça c'est tellement cool, c'est toujours moi ça. Mes règles arrivent toujours au moment où ça fait chier. Donc typiquement, si je suis dans cet état-là le 25 décembre, autant vous dire que je ne vais pas profiter du tout. Si j'ai la nausée, si machin, ça va être... génial. Mais c'est comme ça depuis toujours. Par exemple, pour vous donner un exemple, je parle beaucoup aujourd'hui. Hein. Quand j'étais ado, je faisais de la gymnastique. Et on faisait un gala tous les ans, fin juin. Qui était toujours entre le 20 et le 30 juin, mais voilà, c'était jamais une date fixe, quoi. Et bien, figurez-vous que je pense que absolument tous les ans, sans exception, du jour où j'ai mes règles jusqu'à ce que j'arrête de faire de la gym, donc entre mes 11 ans et mes 20 ans, j'ai eu mon premier jour de règles, le premier jour du gala. Tout le temps. Je pouvais le prédire un an à l'avance. C'est un truc de fou. Je ne sais pas le message que mon mental veut me faire passer, mais franchement, à part m'emmerder au plus haut point, je vois pas quoi. Bon allez, sur ce, je vous laisse parce que j'ai très envie quand même d'ouvrir mon petit paquet de chez Laine de Moutte. Et je vous dis à la prochaine.